Bienvenue de retour pour une nouvelle aventure sur notre survie du week-end. Je sais pas pourquoi j'ai dit aventure. Ouais. Je sais pas. Des fois, il y a des mots qui sortent comme ça. Mais j'avoue que c'est une belle aventure. Hein, ce qu'on a pour le moment. Elle est pas très palpitante parce que c'est plutôt chill, honnêtement. Alors attendez, on est à fond, on est à fond. Il faudrait qu'on mange encore. Ouais, c'est vrai qu'on commence à se goinfrer, mais d'une force. Il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est plus on mange et moins on a faim, en fait. Ça, ce serait pas mal, un système comme ça. Genre, si on arrive à dépasser, je sais pas, genre les 70%, et qu'on est, joueur qu'on est bien nourri, bah, on a moins faim. Moins rapidement. Ça serait pas mal, je pense, comme système, ça aussi. Ça serait cool. Enfin, comme je disais, donc on est notre petite aventure, elle est là pour le moment. On est à la maison côtière. Et on a décidé d'aller ici. Et ici, il y a encore plein de petites maisons en fait à aller checker. Ça va être très tranquille, honnêtement. On ne devrait pas rencontrer grand monde. Peut-être un ours, à la limite, mais c'est tout. Par contre, je vais avoir un problème. Moi, c'est pour quitter l'endroit. Ah, attendez, on va le faire à l'envers. Ça fait bizarre de regarder. Ça fait un peu étrange, non? Regardez ça. Ça diminue. Enfin bref, hop là. Comme ça, on quitte facilement l'endroit. Ah, je sais que la porte, elle est en ligne droite. Ok, let's go. Donc on reviendra ici. Quand on reviendra en fait à notre camp, on repassera par ici pour récupérer tout ce qu'on a laissé. Parce qu'on a quand même laissé beaucoup de choses. Donc ouais. On a plein de peaux de lapin, on a plein de boyaux. On a des bâtons. On a... Enfin, un bâton. On a... Bah oui, bah, c'est à peu près tout. Enfin, c'est déjà beaucoup, hein. On a plein de boyaux. Donc, ouais, faut qu'on voit ça. Au pire, si jamais, je sais pas, parce que des fois on peut avoir des inattendus. Si jamais on repasse pas par là. Je le referai moi de mon côté. Je le referai moi de mon côté, je ramènerai tout au camp en fait. Ok, faut faire un peu attention maintenant. Un peu froid. C'est moi ou j'ai entendu un galop, mais genre. Bref. Je sais pas, genre des pas vraiment lourds en fait. Ah, donc c'est là qu'on voulait aller. Okay, très bien. On peut en profiter. Il fait pas encore très froid. Ça devrait s'améliorer. Donc on peut en profiter et aller là-bas. Je suis content, ça se passe bien. Donc on n'a toujours pas encore le rajout hein, de les nouveautés du DLC, c'est pas encore sorti au moment où je fais cet épisode. Donc j'espère que ça sera bientôt. Mais ouais, c'est pas encore sorti. On va avoir un peu froid, mais c'est pas grave, faut bien que je dessine un peu. Ouais, très bien. Ok, très bien. Sympa là, comme ça. C'est joli. C'est joli. Ok, donc là c'est. On va dire que ça peut être dangereux.
Parce que comme j'ai dit, il peut avoir des ours. Je crois qu'il y a un ours en fait qui se balade genre dans les hauteurs. Et son chemin en fait c'est de descendre et se balader près du village. Si je dis pas de bêtises. En gros il descend souvent en fait pour voir ce qui se passe. Et ça peut être un trou. Ok, très bien. Et il y a des loups aussi. Ok, on va en profiter. Tant mieux qu'on lui fait peur. Après aussi, le risque, c'est que c'est un peu embêtant ici. Parce que ça monte, ça descend, genre les pontons et tout. Et du coup, c'est un peu aléatoire par où ils passent, les loups. Donc, faut faire attention. Ok, très bien. Donc je conseille toujours de faire un peu attention où, par où vous passez en fait, quand vous sortez. Parce que du coup c'est difficile d'avoir genre ligne droite, vous voyez, avec un loup. Il risque de tourner un peu à droite, tourner à gauche, etc. etc. Et du coup vous pouvez peut-être potentiellement louper votre tir et ça c'est un problème. Le pire ennemi hein, pour un chasseur avec un arc c'est... C'est le terrain qui aurait des différents niveaux ou alors des obstacles sur la route et tout ça. C'est une catastrophe, ça. Je vois pas grand chose, mais mes sens me disent que cette caisse est vide. Ok. J'ai bien envie de sortir la lampe, juste au cas où. On est bon. J'aurais dû sortir mon arc. Parce que ici, ça peut être un bon endroit, mais... Je sais pas s'il y a des objets ici. Je crois que j'avais déjà trouvé des objets. Après des filets, là. Mais c'est rare. Ah, corde. Une corde ici, c'est la première fois que je vois ça. C'est peut-être nouveau. Alors si je me rappelle bien, par contre, il y a un établi là, si ça n'a pas changé. Très bien. Ouh! Oh, oh, oh. Attendez, j'ai vu un truc. Hameçon. Et je crois qu'il y a un marteau en dessous. Je l'ai vu, ouais. Alors une chose que vous pouvez faire avec cet établi, parce que je l'ai déjà fait. Par contre c'est un peu relou, mais vous pouvez placer un abri. Si je dis pas de bêtises. Vous pouvez placer un abri plus ou moins à côté. Et vous pouvez genre vous mettre dans l'abri. Et quand vous regardez vers le haut, en fait, vous pouvez attraper du coup l'établi et vous travaillez en fait sur l'établi depuis l'abri. Comme ça, vous n'avez pas froid. C'est vachement sympa parce que du coup, en fait, vous êtes techniquement... vous êtes dehors et comme ça, vous n'avez pas le mal de l'enfermement. Ça, c'est pas mal aussi comme technique. Les abris peuvent être vachement utiles hein, pour ça, pour ce genre de choses. Mais le problème, bah, ils sont chiants à faire parce qu'il faut plein de brindilles, il faut du tissu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste la lumière. Du tissu et tout ça, donc voilà, c'est pas... Puis en plus, faut l'entretenir, parce que le machin, il se casse au bout d'un moment. Je trouve ça un peu... Enfin, quoi que, dans un sens, ça a du sens, on va dire. Mais ouais, c'est... Voilà, c'est pas... Voilà, c'est... Il y a beaucoup d'inconvénients, en fait. Des abris, c'est bien... vous les faites pour les utiliser au moment même. C'est pas pour... Ah, oh. Attendez. Y a pas d'autres trucs qui traînent à côté des portes. Ben voilà, c'est pas quelque chose que vous faites et que vous utiliserez plus tard. Et je crois que quand l'abri est à 0%, on peut que le casser, je crois. Je crois qu'il est irréparable. Ça, c'est un peu embêtant. Mais je suis plus trop certain de ça, hein, de ce que je dis. Mais je crois.
Parce qu'à la limite, si on pouvait le construire et l'utiliser plus tard ou le réparer plus tard, je crois que ça passe. Mais je crois bien qu'il est irréparable quand il a zéro. C'est comme les vêtements, en fait. Ben on a fait des bonnes trouvailles là, je suis content. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. C'est pas mal. Je suis assez surpris de la corde. Comment, où est-ce qu'on mettrait la corde? Ah oui, à la tour. Là! Parce que je crois qu'on n'en a pas trouvé de corde. Oh mince, tu vas me dire que de là, faudrait repartir vers la tour pour mettre la corde, comme ça, elle est mise. Non, on pourrait faire ça. Ça, il faut qu'on lise. Excusez-moi. Faut absolument qu'on lise. Par contre, j'ai pas trop de nourriture sur moi. Je crois qu'on peut aller se balader. Faudrait qu'il fasse bon en fait. Faudrait qu'on ait un très beau temps. Et on va placer la corde. Mais bon, là, on n'est pas trop gâté en fait. Donc ça m'embête. On va se balader dans la forêt vite fait. Si jamais je trouve rien d'intéressant. Parce qu'honnêtement, je me rappelle plus trop ce qu'il y a. Est-ce qu'on a dessiné? Non, on n'a pas dessiné. Ah là là, faut qu'on dessine aussi. Alors, attendez. Je sais qu'il y a un loup qui est pas loin, donc faut faire gaffe. Donc on va se mettre là. On va rentrer, lire une heure, on se réchauffe et on se casse. Et on se casse. J'ai vu des mods avec des animations pour lire. Je sais pas si j'en avais parlé de ça. C'est vraiment classe. Comme j'ai dit, hein, je voudrais vraiment pouvoir mettre ce genre de petits mods qui rajoutent des animations, qui rajoutent des trucs comme ça. Je voudrais vraiment, vraiment pouvoir faire ça. Sans risque, en fait, de casser la sauvegarde, de mettre la sauvegarde à risque. Pareil pour l'aménagement des objets. J'aimerais vraiment pouvoir le faire et être certain que ça casse rien quand on aura des mises à jour. Mais bon, je peux pas risquer ça parce que sinon on perdrait la sauvegarde. Je peux pas risquer ça. Ce genre de mode qui change les choses, c'est bien en fait quand le jeu il est complètement fini et qu'il n'y a plus de mise à jour. Genre par exemple Fallout 4, quand le jeu était vraiment fini fini, où il n'y avait plus rien à rajouter, bah là les mods c'était top quoi. En fait, il y avait seulement des mises à jour de mode en fait à faire. Il n'y avait plus des mises à jour de jeu, c'était des mises à jour de mode. Donc faut faire gaffe parce que là il y a un ours qui se balade normalement. Donc faut faire attention. Je crois que je l'entends. Non? Non, peut-être pas. Faut faire gaffe. Il y a des lapins là-bas. Ah, voilà, mais oui, j'avais dit que je l'entendais. Ouais, ça va. Oh là là, il nous renifle de loin. Ça va, calme-toi. On a encore des lapins.
Je crois qu'il y a un peu plus dans la forêt, mais je me rappelle plus vraiment où. Je crois qu'il y a des lieux, en fait. Là, on pourrait le combattre, hein, parce qu'il y a plein de rochers où se mettre. On pourrait, hein, on pourrait faire un truc comme ça, mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un ours en ce moment. Surtout qu'on a déjà deux pots, en fait, donc c'est largement suffisant. Pas quoi que... Je sais pas, on verra. Comme d'habitude, le problème avec les ours, c'est toujours la même chose. Hein. C'est que le truc, on peut le tuer assez vite, genre en quelques flèches, ou voire même une flèche, si c'est du critique et tout ça, ça marche bien. Mais si ça se passe mal, même pas le fait qu'il nous attaque, hein, c'est le fait qu'il fuit, en fait. Parce que la dernière fois, comme je vous avais montré, où je l'ai pourchassé pendant 10 minutes, quoi. C'était vraiment très, 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 très chiant. Et du coup, j'ai pas vraiment envie de passer mon épisode à faire ça. Même si ça peut être marrant, hein, des fois. Mais... Si on en a pas besoin, on le fait pas. Là, on en a strictement pas besoin. Non. Après cet épisode, je vais quand même faire un tour sur les modes. Je vais voir un peu. Est-ce qu'on vraiment on a besoin de encore d'une peau quoi? Ah, apparemment il y a un cadavre. Là. On a des massettes aussi. Apparemment j'ai dessiné un cadavre qui devrait être là-haut. Ah oui. Oh, il y a du bois aussi. Ah, il est là. Ah, c'était pas là où je m'étais coincé. Je crois que c'est pendant un stream où... où je crois que je me suis fait attaquer par un ours et l'ours m'a coincé dans le décor ou un truc comme ça. Je me rappelle de ça. C'était déplaisant. C'était assez déplaisant. Bon, par contre, on va devoir se mettre à l'abri. Oh! Il y a une maison là? Ah bah, d'accord. Bah, tant mieux. Je m'en rappelais pas du tout, du tout. Hein. Là, j'étais en train de faire le tour pour redescendre, moi. Attendez, on va prendre le reste après, on va aller se réchauffer d'abord. Cool! Il y a quoi derrière? Il n'y a rien. Il y a plein de champignons. En fait, je suis allé de ce côté-là parce que je voulais récupérer les champignons, puis après, on bifurque et on redescend, quoi. Ah, c'est cool! Cabane de pêche. Sympa! Sympa, sympa. Je pensais vraiment pas trouver un truc ici. Pas grand chose par contre. Pas grand chose. C'est pas grand chose.
Nickel. Je me permets de manger des massettes parce qu'on en a plein. On va en trouver plein par terre. Donc je vais en récupérer. Je veux dessiner aussi cet endroit. Bon, du coup, on a une peau là-bas encore à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On la prend vraiment la peau ou pas? C'est pas vraiment important. On a déjà 4. Non, on en a besoin que de 2. On va se mettre sur la glace pour récupérer les massettes. On a besoin que de 2 à la limite. Pour récupérer... Non, pour réparer. Réparer nos vêtements. Donc ouais, il n'y a vraiment que ça. Fais attention, on a que 5 flèches de réserve. Ah, encore là-bas un truc. Bah, là-bas, si jamais c'est une carcasse encore, genre d'un cerf, on va peut-être prendre la peau. Enfin, quoique, là, j'ai pas vraiment d'endroit pour me réchauffer. Ça, il fait pas très froid non plus. On va aller voir ce que c'est. Honnêtement, c'est tellement cool de pouvoir se balader sans trop de problèmes. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien. On a encore plein de massettes à aller récupérer. C'est quoi ça? Un cadavre. Je vais me remettre en hauteur pour aller récupérer des massettes. Je crois qu'on va être bloqué bientôt parce qu'après il y a la hauteur, il y a le pont là. Et du coup on pourra plus rien faire. Mais je voudrais essayer de récupérer le plus de massettes possible. Oh, des bois. Du bois. Nickel. Du bois encore là-bas. Ouais, bon bah les massettes. Quoique je veux des massettes. Je voudrais une petite petite dose de massettes. Ouais, voilà le pont. Je garde quand même l'arc à la main parce que on sait jamais. Même si j'aime pas trop récolter avec l'arc à la main, parce que des fois on fait ça, là, on vise au lieu de récolter.
Eh ben. Voilà. Bon, maintenant je sais plus où était le bois. Je crois qu'il est vachement en bas. Quoique, maintenant qu'on est vers le haut, pourquoi pas monter? J'ai cru entendre des pas en fait, c'est pour ça que je me suis arrêté. Je crois que je peux pas monter. Pas me péter une jambe. Je voudrais monter parce que je sais que il y a le tunnel de ce côté-là et je crois qu'il y a encore une mine après de l'autre côté, mais je suis plus trop sûr en fait. Donc je voudrais quand même pouvoir vérifier ça. Alors là, faut faire attention parce que c'est possible qu'il y ait des choses. Ça a l'air d'être bon. Là, on est sur le chemin du haut. Et il fait... Bah tiens, on a chaud. Ça va, c'est bien. Donc autant en profiter. Faut qu'on trouve un endroit pour s'arrêter un peu, que je mange et que je bois. Que je boive. Je pense qu'on peut continuer le long de ce chemin. Je crois que ça mène en hauteur et on est bon. Mais je crois bien qu'il y a une mine. Et c'est pas la même mine par laquelle on est passé. Donc du coup, pourquoi pas un peu regarder quoi. Un truc qu'on peut faire aussi, vu qu'on a chaud. Voilà, très bien. Je voudrais vraiment pouvoir genre cartographier toutes les zones. Je vais être honnête, je voudrais vraiment pouvoir le faire. Mais c'est ça prend tellement de temps. Faudrait que je le fasse hors vidéo, en fait. Il faudrait que je passe énormément de joueurs en jeu pour le faire. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Je vais être franc. Je serai pas contre un mod qui me donne les cartes directement. Parce que je les connais dans ma tête, je les connais toutes. Mais à la limite, genre quand on dessine... On dessine genre l'emplacement des carcasses, l'emplacement des bois qu'on trouve et tout ça. Vous voyez? Ah, on peut se mettre là. Vous voyez, ça à la limite, oui. Mais je voudrais tellement un mod qui nous permet d'avoir les cartes directement. Parce que ça prend tellement de temps à faire. Surtout en intrus, parce qu'on a froid tout le temps. Enfin voilà, quoi, c'est un peu la galère en fait. C'est vraiment la galère, ça. Mais bon, c'est vrai. C'est pour ça que c'est utile, en fait, d'avoir les cartes. Parce que... C'est même pas, en fait, pour se repérer. Parce que, comme j'ai dit, je les connais, moi, les cartes. J'en ai pas vraiment besoin, techniquement. Mais c'est pour vous montrer tout ça. Genre, où on est, où on va, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Donc ça, c'est cool. Je me rappelle dans les... Je crois que c'est la première saison ou la deuxième saison. C'est genre il y a 5 ou 6 ans, un truc comme ça. Je me faisais chier à dessiner une carte, en fait. Enfin non, j'avais pris plusieurs cartes sur le Wikipédia. Et j'avais fait la mienne, en fait. Grâce aux différents morceaux. Parce qu'avant, c'était vraiment pas pareil, honnêtement. The Long Dark. Et je m'étais embêté à montrer, en fait, genre le chemin qu'on prenait. Genre je dessinais en...
sur Photoshop, genre en pointillé, vous voyez, genre par exemple, je vais mettre la carte. Genre en pointillé, je mettais genre un chemin qui allait de là à là, par exemple. Vous voyez? Comme ça, et je montrais le chemin qu'on avait fait ou alors qu'on allait faire, etc. Honnêtement, je m'amusais bien à faire ça, mais ça prenait un temps fou. Ça me prenait un temps fou à faire ça sur Photoshop. C'était méga chiant. Mais je trouvais ça marrant de faire. Vous savez, un peu comme dans les films ou les séries où ils vous montrent. Genre, ils voyagent d'un. Genre, Indiana Jones, vous prenez ça par exemple. Où ils voyagent d'un pays à l'autre. Ils vous montrent. Genre, sur les cartes et tout ça. Ben, je faisais pareil. C'était marrant. C'était cool. Honnêtement, c'était cool. Mais ça prenait beaucoup de temps. C'était un peu chiant. C'est pour ça que j'aime bien avoir des cartes pour pouvoir montrer tout ce qu'on fait. C'est cool. Très très bien. Bon, du coup, il n'y a rien d'intéressant ici. N'y a rien d'intéressant. Donc ouais, un mode qui vous donne directement les cartes, je dirais vraiment pas non. Enfin, c'est peut-être même pas une mine là, y a peut-être rien en fait. Maintenant que j'y pense. Ah oui, mais non, il n'y a rien. Un cadavre. Non, je pensais que c'était une mine, mais en fait non, pas du tout. Ah non, non, c'est effondré. Bon. Bon, eh ben j'ai rien dit. Allez, on avance. Je voudrais qu'on arrive au... à la tour, mais je vais être honnête, je pense qu'on est méga loin de la tour. Pour mettre la corde, en fait. C'est ça que je veux faire, c'est mettre la corde. Mais c'est méga loin, je crois. Donc, on va peut-être pas y arriver, cet épisode. Ça dépend du temps, ça dépend de ce qu'on croise. Un truc qui pourrait être bien, ce serait de dessiner la carte passivement, en fait, quand on marche. Après, bon, oui, ce serait un peu triché, mais je sais pas. Je sais pas, genre un meilleur moyen. Enfin, non, un truc tout bête, hein, ça aurait été vraiment bien, ce serait, genre, avoir 5 différents niveaux de... Comment on dit? De cartographeur. Cartographier. Genre, cartographier le terrain. Qu'est-ce que je fais? Moi, je descends direct comme ça. Ouais. Ouais, je peux faire ça. Et plus on le fait, plus le radius en fait qu'on dessine est grand. Vous voyez? Et genre quand on est à... Oh, il y a une maison là-bas. Quand on est au niveau 5, je sais pas, vous faites 4 dessins et ça fait toute la carte en une fois. Vous savez, des trucs comme ça, ce serait vraiment cool. Il y a des cerfs, il y a des lapins. C'est sympa ici, dis-moi. Vous voyez, des trucs comme ça serait vraiment cool, je pense. Ça serait pas chiant. Mais c'est sympa ici. Je crois que je suis jamais venu. Wow, il y a plein de... Il y en a combien? 4? Ouh, ça tue. Qu'est-ce qu'on fait? On chasse les lapins. On pourrait faire à manger ici, hein. On pourrait faire à manger ici. Histoire de pas taper dans les massettes, en fait. Ça, ouais. Mais du coup, il faut que j'utilise une allumette. Ou alors on chasse le cerf. Ou alors on chasse le cerf. Non mais le cerf, on a une chance de le louper.
On peut faire de du feu à l'intérieur. Non, il n'y a pas de cheminée. Vous vous rappelez l'époque où on... Putain, mais attends, on est aussi lourd que ça. Ah oui, 57 kg. Mais ils font pèse combien les machins? 2 kg et l'autre presque 2 kg aussi. La vache. Vous vous rappelez, il y a une époque où on... Je sais plus trop quelle saison. Où il y avait eu une sorte de glitch. Ça arrivait souvent apparemment. Genre j'avais tiré quelques flèches sur je sais plus trop quoi, un cerf peut-être. Et en fait quand je récupérais une flèche, les flèches retombaient. Donc j'avais eu plein de flèches en plus. C'était très bizarre. Très étrange. Bon déjà on rentre, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de bordel. Waouh. Plein de trucs. Ok. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a? Bon, après, tout est vide, apparemment, mais bon. Ah. Parler trop vite. Ok, sympa. Ouais, on peut faire un... Ouais, on peut faire un feu et manger les lapins. Ouais. Où est-ce qu'on va faire le feu, par contre? On le fait devant la maison, tout bêtement. Tout simplement. Enfin non, je préférais le faire genre à l'arrière peut-être. Genre là peut-être. Pas mal. Ça, on a plein d'allumettes de toute façon, c'est pas trop grave. On a vraiment plein d'allumettes. Comme ça, on mange les lapins et on n'a pas besoin de trop taper dans les ressources. Voilà. Je sais. Et pourquoi on est aussi lourd? À part les lapins. Ah oui, ouais. Après bon, si monsieur le cerf veut bien venir genre vite fait, moi je dis pas non, mais ça m'étonnerait. Les pots. Les pots, c'est le plus important. Les... Il est juste là. Il est redescendu. Je crois qu'il est venu vers moi. Ah, il est là. Ouais, il est venu vers moi, mais il a eu peur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se repose là et après on continue plus tard?
Ouais, on va se reposer là et on va continuer. On va pas mettre fin à l'épisode par contre. 2, 2, 2, pas besoin d'en faire plus. Ah oui, c'est vrai que je suis parti avec le marteau moi. C'est vrai que j'avais oublié. J'aurais pas dû faire ça. J'ai complètement zappé la dernière fois. On a trouvé le marteau et pff, après j'ai complètement zappé le reste. J'aurais pas dû partir avec le... Ouais, non, j'aurais dû le laisser en bas. En plus, ça sert à rien. Bon, bah, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Il faut qu'on... Mais de toute façon, il faut qu'on se débarrasse de la corde. Attendez. On a peut-être une heure de rabais. Yeah, let's go. Donc on va descendre. Je crois qu'on va retomber sur le pont ou un truc comme ça. Où c'est qu'il y a un éboulement, si vous voyez de quoi je parle. Il y a un éboulement. Et après, en théorie, on devrait pouvoir remonter sur la tour et mettre la corde. En gros, c'est ça mon plan. Il fait encore un peu de nuit. On a trouvé ça. Une heure recyclée. C'est parti. Ça, on n'a pas besoin d'outils, donc on peut le faire dans le noir, en fait. Dès qu'on peut faire des choses sans outils, ça veut dire qu'on peut les faire dans le noir. Ça, c'est vraiment nul, hein. Je me demande si c'est pas 0,5 quand c'est au maximum. Je crois que c'est 0,5. Je sais pas. Enfin, ça serait débile. Non, ça doit être quand même un degré. Enfin, dans tous les cas, c'est nul. Ouais, les calories, ça descend. Ça descend vite, hein, les calories. On n'a plus qu'un litre d'eau aussi, donc ça c'est un problème. Ouais, on va taper dans les massettes. C'est pas trop grave. Allez, encore une. Très bien. On avait calculé un peu le poids la dernière fois, je me rappelle. Enfin, il y a les épisodes précédents. Genre... C'est 150 pour 0 combien? 15? Je sais plus. 0,5? Je sais plus que quoi est bien en fait. Enfin bref, on s'en fout. On y va. J'ai beaucoup de charbon sur moi ou pas? Ouais, une dizaine. Je l'ai noté cet endroit ou pas? Pas vraiment. Ah, vous voyez sur la carte, il y avait le pont. Donc c'est pas loin. Par contre, on n'est pas gâté avec la chaleur aujourd'hui. Là, parfait. Je sens que tout ce qu'on avait laissé, vous savez, à la maison, là, sur la glace, je pense que je vais tout récupérer de mon côté. Parce que là, ça va faire trop d'aller-retour, en fait. Ça va faire un tout petit peu trop d'aller-retour. Je crois que le mieux, c'est de... que je le fasse hors épisode. Comme ça, on peut se concentrer à faire autre chose.
Donc nous on veut monter, par contre. Je sais pas s'il y a un passage. Là? Ça c'est une route ça ou pas? Ça là. Il a l'air d'être une route. Parce que de toute façon là... là c'est trop proche de l'autoroute en fait. Donc, du coup, c'est trop bas pour la tour. Ouais, du coup, c'est trop bas pour la tour. Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est par là qu'il faut passer. Par contre, c'est dangereux parce que on est toujours dans le rouge, là. Dangereux. Ouais, il nous faudrait les crampons. Oula. C'est peut-être pas une route, en fin de compte. C'est un peu raide. Ah! Quoique, si. Okay. Mais attends, on est déjà venu là ou pas? Ah non, 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 nous on était à un autre où il y avait une corde, vous vous rappelez? Du coup là, il n'y a pas de corde, donc c'est pas le même. Non, le note que celui auquel je pense, il doit être plus loin. Ouais, il doit être plus loin dans cette direction. Non, mais ça va, c'est cool. Il y a plein de trucs en fait, c'est ouf quand même. Il y a plein de trucs dans cet endroit. Ah, oui. Oh, un pied de biche, cool. Je crois qu'on a déjà un, mais bon, le rechange, mais c'est toujours bien d'en avoir plusieurs. Je crois qu'on est bon. Okay. On va lire. Peur de se réchauffer et de finir le livre. Comme ça, si jamais on veut vraiment lâcher du poids, on le vire. Est-ce qu'on va monter de niveau? Vas-y. Monter de niveau. Non. Pêche sur la glace. Yay. Du coup, si on prend le chemin qui monte, je crois qu'on va retomber sur notre mine qu'on connaît. Enfin, la mine par laquelle on était passé. Enfin, qu'on était venu, en fait. Si vous vous rappelez. Je vais garder ça. Je voudrais vraiment ne pas avoir à les manger, mais j'ai peur qu'on doive à un moment ou un autre. Ça m'embête un peu, mais bon. On descend ou on monte? Je dirais qu'on monte. Ouais. Attendez. Voilà. Ah bah. Ouais, ok, on monte. Je pense que c'est en haut. Par contre, je crois qu'il va y avoir une tempête là. Je pense qu'on va avoir une tempête. On est potentiellement, on va potentiellement être bloqué à la tour. Ça m'embête. On verra. Ah, si on prend la... Si on met la corde, on pourra prendre la corde aussi, ça veut dire. Ça peut être intéressant pour nous. On verra. Ouais, cette zone est vraiment cool à explorer. Hein. Y a rien à dire, hein. C'est vraiment sympa. C'est juste que voilà, quand on est dans les montagnes et tout, faut faire un peu attention au... Genre ça bifurque de certains endroits, ça cache des aliens et tout ça, c'est chiant. Après ça vous accroche à la gueule et tout, c'est très, très embêtant. Ça c'est la mine, je crois. Oui oui, ça c'est la mine d'où on venait venu en fait. Ouais, nous on a continué de ce côté là et on est tombé sur la tour. Ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va pas courir pour le moment, parce qu'il fait pas trop froid, ça va. Dès que j'aurai froid, je crois que je vais commencer à courir. Je cours pas, surtout c'est pour ne pas utiliser trop de calories, parce que si je fais des calories, j'en consomme plus. Dès que je sprint, pardon, je consomme plus de calories.
donc j'évite. C'est à droite ou plus loin? Je crois que c'est plus loin. Je peux entendre un bruit. Ouais, tempête. Je l'avais dit. J'ai pas loupé la tour. Non, je l'aurais vu quand même. Ça doit être là. J'aurais dû la noter, dessiner. Vous savez, avec la bombe, ça doit être là. Je vois rien du tout. Oh, t'es sérieux? Ça tombe vraiment mal. Hein. La tempête. Là. En train de me demander si je l'ai pas loupé. Je crois que je l'ai loupé, la tour. Sérieusement. On va descendre. Putain, on avait le plan parfait. Il fallait que le blizzard se lève maintenant, quoi. Ah, comment je suis déçu. J'essaye de retrouver l'autoroute en fait là. Pour qu'on puisse se repérer et aller dans les maisons. Oh mon dieu, tout gâché quoi. Bon, bah on est rentré. Thank you.
Ah là là là. Je cherchais. Ah, je suis déçu d'une force. Ah non, sérieux quoi. Ah, je suis super déçu là par contre. Super déçu. On avait bien préparé machin. Et je crois qu'en fait la première bifurcation c'était la tour. Je crois que ça fait comme ça en fait. Et je crois que je suis passé là. Et c'est là que le bizarre, il s'est juste levé avant. Et du coup, j'ai pas vu la tour. J'ai pas vu la tour de guet. Et après, j'ai continué. Et puis on s'est retrouvé en fait ici. Et puis après, je suis descendu. Ah! Ça veut dire que je vais devoir y retourner. Ça veut dire que je vais devoir y retourner. C'est le fun. C'est le fun. Bon, au moins on n'a pas besoin de taper dans les ressources, ça c'est sûr. Voilà, très bien, donc on a notre corde. Attendez, d'abord on va mettre le bois là, parce que j'ai un peu de bois, c'est bien. Il va falloir qu'on fasse de l'eau aussi, j'ai quasiment plus d'eau. Enfin, je crois que j'en ai même plus en fait. Ah oui, non, j'ai plus du tout d'eau. On est au max, donc ça va. Mais ouais, il va falloir que je fasse de l'eau. À tout prix. Ça m'embête ça. De toute façon avec le vent qu'on a, je crois que... Je crois que ça va être le bon moment en fait de faire de l'eau. Pas mal, non? Réserve, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va s'arrêter là, hein, par contre. Ça va être la fin. Donc ça, on le garde, on le détruit pas. Là, on est bon. On a aussi un marteau. Une fusée. Et du métal et du tissu. Quel le marteau. Voilà, ça me paraît potable. Là, on a de l'huile pour la lampe. J'ai mis tellement de choses que j'arrive même plus à target en fait. Pied de biche, parce qu'on en a deux maintenant. Côté à 100%. Ouais. Ok, ouais, on va s'arrêter là. Moi, je vais jouer de mon côté. Je vais essayer de me rappeler de ce qu'il faut faire. Donc, je voudrais aller mettre la corde. Même si c'est pas trop utile, mais au moins c'est fait. Est-ce qu'on a d'autres à poser? Je crois que...
Non, je crois que c'est bon. 36 kilos, ouais, je crois que c'est bon. Le livre, parce qu'on l'a fini. Non, le livre, je les mets là-bas, les livres. Là, on a encore un peu de bois et du charbon. Donc, ouais, on va s'arrêter là. Je vais dormir une heure pour histoire que ça sauvegarde, en fait. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais retourner, donc, à la maison côtière. C'était la maison côtière ou c'est celle-là? Je me rappelle. Je crois que c'est la maison côtière. Où on a plein de pots et de boyaux et de bois, là, tout ça. Je vais récupérer tout ça. Et si j'ai la foi, je vais peut-être retourner à la tour de guet et mettre la corde. Mais bon... Je promets rien, ça me saoule un peu là, j'avoue que je suis un peu dégoûté. On allait le faire et tout, ça allait bien se passer, puis le... voilà, parce que le bizarre s'est levé. Enfin bref. Mais voilà, c'est ce que je vais faire. Et il faut à tout prix que je fasse de l'eau aussi, donc je vais devoir faire ça, genre fissa, c'est un peu emmerdant. Et ouais, on verra ça la prochaine fois du coup. Je pense pas que j'enregistrerai quoi que ce soit, hein, parce que si c'est juste pour faire des va-et-vient, récupérer le matos, c'est pas très intéressant, on est d'accord? Donc voilà, comme ça la prochaine fois on pourra faire autre chose. Alors, je vais être honnête, la prochaine fois on pourrait potentiellement partir de l'autoroute côtière, parce que on a honnêtement fait les plus gros endroits. Je vais être franc. Donc peut-être qu'on ira au site de désolation. Je vais réfléchir, je vais voir un peu quelle humeur je suis. Mais j'avoue qu'on a fait un peu tout le tour là. Et en très peu de temps, on a récupéré énormément de ressources. Hein, tout ça, on a tout ça quoi. Donc pourquoi pas continuer notre aventure au site de désolation. Ça me paraît pas mal. De toute façon, on va revenir ici. Hein, parce que le site de désolation, encore une fois, c'est une partie, une région extrême. Droite, donc c'est la partie externe de la carte, comme le canyon de descente par exemple. Donc du coup, on peut tout récupérer et ramener tout à l'autoroute côtière. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on vide complètement le site de désolation, on y va peut-être léger, puis on revient, on est blindé et on remet tout à l'autoroute côtière. Ça peut être pas mal comme petite aventure. Ouais, ça peut être sympa. Enfin voilà. Je vais m'arrêter ici, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ouais, je pense qu'on va partir, on va faire la petite aventure la prochaine fois. Ok, j'espère m'en rappeler. À la prochaine, ciao!